All rise. Wave away. The International Criminal Court is now in session, la Cour pénale internationale Please be seated. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Katanga. La Chambre salue le représentant de la République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 2 rend à présent, sur le fondement de l'article 76 du statut, sa décision relative à la peine qu'elle entend prononcer contre Germain Katanga. Elle rappelle que le 7 mars 2014, statuant à la majorité, Madame la juge Christine Van Den Wingert émettant une opinion dissidente, elle a rendu son jugement en application de l'article 74 du statut. Elle a à cette occasion acquitté Germain Katanga des crimes de viol et d'esclavage sexuel, constitutifs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ainsi que du crime d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutives de crimes de guerre. Elle l'a en revanche déclaré coupable de complicité des crimes commis lors de l'attaque lancée le 24 février 2003 contre Bogoro, localité située dans le district d'Ituri en République démocratique du Congo et plus précisément du crime de meurtre, constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, du crime d'attaque contre une population civile en tant que telle, ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, constitutif de crimes de guerre, du crime de destruction des biens de l'ennemi, constitutif de crimes de guerre, et du crime de pillage, constitutif du crime de guerre. Après avoir reçu de nombreuses écritures émanant des partis, du représentant légal et du greffe, une audience consacrée à la procédure de fixation de la peine s'est tenue durant deux jours, les 5 et 6 mai 2014. Le 5 mai 2014 ont été successivement entendus par vidéoconférence l'actuel chef du village de Bogoro, cité par le procureur, et les témoins D02401, et D02404, cité par la défense. Le procureur a ensuite présenté ses conclusions orales, puis ses réquisitions tendant à ce que soit prononcée une peine située entre 22 et 25 ans d'emprisonnement. Le 6 mai 2014, le représentant légal a développé ses observations, puis la défense a plaidé pour Germain Katanga. Ce dernier conformément à l'article 67.1 petit h du statut, a fait ensuite une déclaration et a ainsi pris la parole en dernier. Pour déterminer la peine qu'elle doit infliger, la Chambre a pris en considération plusieurs facteurs qui, quoique fort différents, ont tous pour objectif de donner un sens à la sanction prononcée. Les articles 77 et 78 du statut ne précisent pas quelle est la finalité des sanctions pénales infligées. Il demeure qu'au terme du préambule, je cite, les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis. Fin de citation. Et les États signataires sont, je cite, déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. Fin de citation. Il s'agit donc de sanctionner les crimes qui, je cite, menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, fin de citation, et de faire en sorte que la peine est un effet réellement dissuasif. En prononçant une peine la Chambre doit aussi répondre aux légitimes besoins de vérité et de justice qu'expriment les victimes et leurs proches. Elle considère que la peine a deux fonctions importantes. Le châtiment, d'une part, c'est-à-dire l'expression de la réprobation sociale qui entoure l'acte criminel et son auteur, et qui est aussi une manière de reconnaître le préjudice et les souffrances causées aux victimes. La dissuasion, d'autre part, dont l'objectif est de détourner de leurs projets d'éventuels candidats à la perpétration de crimes similaires. Le caractère sanctionnateur de la peine tend donc à tenir en échec tout désir d'assouvir une quelconque vengeance, et ce n'est pas tant la sévérité de la peine qui doit prévaloir, que son caractère inéluctable. La Chambre doit encore veiller, en prononçant, comme le prescrit la règle 145.1a du règlement de procédure et de preuve, en prononçant une peine proportionnée, la Chambre doit encore veiller à ce que celle-ci contribue à la restauration de la paix et à la réconciliation des populations concernées. La proportionnalité de la peine prononcée répond enfin au souci de favoriser la réinsertion du condamné, même si, en particulier en droit pénal international, cet objectif ne saurait être considéré comme prédominant, car la peine ne peut à elle seule assurer la réinsertion du coupable. Pour fixer la peine à appliquer, la Chambre doit, au terme de l'article 76.1 du statut, tenir compte des conclusions et éléments de preuves pertinents présentés au procès. Conformément à l'article 77.1 du statut et de la règle 145.3 du règlement, elle peut prononcer une peine de 30 ans d'emprisonnement au plus, à moins que l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné justifie une peine d'emprisonnement à perpétuité. A la peine d'emprisonnement, la Chambre peut ajouter une amende et ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, conformément à l'article 77.2 du statut. L'article 78 du statut. Et la règle 145 du règlement, qui régisse la fixation de la peine par la Chambre, dispose que celle-ci doit tenir compte de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné, de toutes circonstances atténuantes ou aggravantes, ainsi que de toute considération pertinente dont elle doit évaluer le poids. La Chambre tient toutefois à préciser d'emblée, comme la Défense l'a d'ailleurs rappelé dans ses conclusions orales, que le constat de l'existence de circonstances atténuantes n'est pertinent que pour atténuer la peine et qu'il n'ôte en rien à la gravité du crime. En l'espèce, la Chambre a pris en compte plusieurs considérations qu'elle entend à présent développer avant d'indiquer quelle peine elle estime devoir prononcer. Pour fixer une juste peine, il faut tout d'abord apprécier la gravité des actes commis par l'accusé. Les peines à infliger doivent donc refléter la gravité propre à l'infraction reprochée. A cet égard, les accusés qui comparaissent devant la Cour doivent avoir conscience que les crimes dont ils ont à répondre constituent les violations les plus graves du droit international et par là même des crimes passibles des peines les plus lourdes. Chacun des crimes objet de la déclaration de culpabilité ne revêt pas obligatoirement la même gravité et la Chambre a donc évalué leur nature exacte en distinguant par exemple selon qu'ils visaient des personnes ou seulement des biens. Pour déterminer la gravité, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation des accusés à l'infraction commise. La peine devant être proportionnée au crime, ainsi qu'à la culpabilité du condamné. En outre, le critère de gravité doit s'évaluer aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif. En ce qui concerne tout d'abord les circonstances de l'espèce. La chambre rappelle qu'elle a conclu dans son jugement que l'ensemble des crimes de meurtre en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité. Attaques contre des civils. Destructions et pillages en tant que crime de guerre commis par la milice Nghiti, de la collectivité de Walendoubindi, l'avait été lors d'une même attaque qui a eu lieu le 24 février 2003 à Bogoro et qui a causé de nombreuses victimes civiles. Pour la Chambre, les crimes commis ce jour-là et en ce lieu sont d'une indiscutable ampleur, non seulement en raison des conditions mêmes dans lesquelles s'est déroulée cette attaque, mais aussi en raison de sa dimension clairement discriminatoire envers la population, principalement Emma, qui vivait à Bogoro. Des stigmates des combats qui ont alors eu lieu peuvent d'ailleurs être encore constatés aujourd'hui. Dans son jugement, la chambre a conclu que Bogoro avait été attaqué le 24 février 2003, par des combattants arrivant de tous côtés très tôt, vers 5 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit, que les habitants étaient chez eux et qu'ils dormaient. Le fait que les assaillants soient arrivés de toutes parts a rendu très difficile la fuite des villageois, la plupart de ceux qui ont déposé comme témoins ayant dû se cacher dans la brousse, et progresser très discrètement pour pouvoir leur échapper. Après l'attaque, la localité s'est retrouvée jonchée de cadavres. La chambre a en effet relevé que les attaquants de ne s'étaient pas bornés à prendre le contrôle de Bogoro en s'attaquant aux forces de l'UPC présentes sur place, mais qu'ils s'étaient aussi employés pendant les combats et après cette prise de contrôle à traquer et a tué la population civile ne participant pas aux hostilités, et ce, dans tout le village, et parfois même jusque dans les maisons. Elle a aussi noté que, lorsqu'ils avaient investi le camp, les assaillants avaient également massacré les villageois qui s'y étaient rendus, en particulier ceux qui s'étaient réfugiés dans les locaux de l'Institut de Bogoro. La Chambre a considéré qu'une fois les combats terminés, les assaillants avaient continué à traquer les habitants qui s'étaient cachés dans la brousse, qu'ils avaient capturé des personnes surprises dans leur cachette et avaient commis des violences sexuelles sur certaines d'entre elles, qu'ils en avaient tué d'autres, l'ensemble de ces personnes ne participant pas au combat. Elle a, en définitive, constater que les habitants de la localité avaient été pris pour cible de manière systématique tout au long de la journée. Les crimes commis contre les civils s'étant déroulés selon un modèle régulier et avec une particulière violence. Un certain nombre de crimes n'ont pas été commis par balle, mais à l'aide de machettes les attaquants dépeçant leurs victimes membre par membre avant de leur enlever la vie. Les témoignages recueillis attestent en effet que les assaillants ne se sont pas contentés de tirer sur les villageois en fuite, mais qu'ils les ont également frappés à l'arme blanche alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Cette pratique, particulièrement cruelle, a provoqué d'extrêmes souffrances physiques, que ce soit pour ceux qui les ont endurés avant d'être tués ou pour ceux qui ont réussi à survivre malgré leur douleur. L'utilisation de ces machettes a également causé des traumatismes sérieux et persistants, aussi bien aux survivants qui ont dû être amputés d'un membre qu'aux personnes témoins de la souffrance de leurs proches. Les femmes et les hommes qui ont survécu à ces crimes emportent en permanence les séquelles physiques et vivent dans l'angoisse de ceux qui ont été témoins de la cruauté des actes constitutifs des crimes alors commis. Les personnes qui ont survécu à ces massacres ont été contraintes de fuir en laissant derrière elles tout ce qu'elles possédaient. Lors de leur retour à Bogoro, les habitants ont tenté de retrouver les corps de leurs proches tués au cours de l'attaque, mais très peu y sont parvenus et peu ont également réussi à organiser des cérémonies de deuil. Des familles ont été séparées et ont connu la douleur de ne pas savoir, pendant longtemps, si le mari, l'épouse, l'enfant, le père, la mère, la sœur, le frère étaient encore en vie. Outre les différents crimes qui viennent d'être évoqués, la Chambre a conclu que le 24 février 2003, les attaquants avaient démoli et ou incendié ou encore enlevé les tôles des habitations appartenant à la population majoritairement Emma de Bogoro et qu'elle occupait, ainsi que des bâtiments de la mission d'Iguna, en particulier l'église CK20 que fréquentait cette même population. Elle a relevé que ces actes de destruction s'étaient déroulés dans l'ensemble du village, tout au long de la journée, y compris une fois qu'il fut tombé aux mains des assaillants. Selon plusieurs témoins oculaires, la plupart des bâtiments ont été brûlés et détruits. Et la Chambre a pu constater qu'un grand nombre des actuelles maisons du groupement avaient été ultérieurement reconstruites par une ONG. La Chambre a également indiqué que les biens appartenant à la population civile, principalement Emma de Bogoro, et qui étaient essentiels à sa vie quotidienne, notamment les tôles des maisons, des meubles et différents autres objets personnels, de la nourriture, ou encore des animaux domestiques, notamment du bétail, avaient été emportés par des assaillants, ainsi que par des femmes et des enfants, dont certains étaient armés, qui les assistaient à cet effet. De plus, les combattants ont contraint des personnes capturées à Bogoro, notamment des femmes, à transporter les biens ainsi volés. La perte de ces biens a eu des conséquences importantes sur l'existence quotidienne des victimes. À ce jour, la plupart d'entre elles ont été contraintes de recommencer leur vie en dehors de Bogoro où elles n'ont pas souhaité revenir et se réinstaller, car il leur aurait fallu tout reprendre à ses débuts ou parce qu'elles n'en avaient tout simplement pas les moyens. La Chambre a aussi relevé que plusieurs témoins avaient déclaré avoir entendu au cours de l'attaque les menaces que proféraient les assaillants et les supplications des victimes qui pleuraient et imploraient leur clémence. Elle tient aussi à souligner que plusieurs témoins ont déclaré que les combattantes interrogeaient spécifiquement les habitants sur leur origine ethnique. Afin de décider du sort qu'il convenait de leur réserver et que plusieurs d'entre eux s'étaient alors fait passer pour des non-Emma afin d'avoir la vie sauve. En ce qui concerne la situation actuelle de Bogoro et le préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, la Chambre s'est référée à la déposition du chef actuel du village de Bogoro et du groupement de Babiaze. En raison de la position qu'il occupe, ce dernier est en contact permanent avec la population de Bogoro et il se trouve donc particulièrement bien placé pour se prononcer sur la situation de la population de cette localité. Le témoin a souligné que la principale souffrance qu'enduraient aujourd'hui les habitants de Bogoro était sans conteste la pauvreté. Il a également mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui encore, les conséquences des combats se faisaient toujours sentir, et qu'il existait un nombre élevé de veuves, de veufs et d'orphelins n'ayant pas eu, s'agissant de ces derniers, la possibilité d'être accueillis dans des familles. Il a aussi rappelé qu'avant l'attaque, la localité disposait de nombreuses structures scolaires. Alors que depuis les combats du 24 février 2003, les parents éprouvaient beaucoup de difficultés pour scolariser leurs enfants. Le chef du village a mentionné que de nombreuses familles avaient été victimes des dommages occasionnés à Bogoro ce jour-là. Il a également souligné que certains habitants souffraient encore d'handicap physique et ou de traumatismes d'ordre psychologique. Selon ses dires, il conservait encore ses habitants, parfaitement en mémoire, l'attaque lancée le 24 février 2003. En fin de compte, de très nombreuses personnes se sont ainsi retrouvées exclues de la vie économique et sociale de leur communauté. En ce qui concerne à présent, et toujours en relation avec la gravité du crime, le degré de participation et d'intention de Germain Katanga la chambre a conclu qu'il n'avait pas été démontré que la milice Ngiti de la collectivité de Walendubindi constituait au mois de février 2003 un appareil organisé de pouvoir et que le condamné exerçait à ce moment sur cette milice un contrôle tel qu'il puisse exercer contrôle sur les crimes au sens de l'article 25.3a du statut. En revanche, la Chambre a considéré que Germain Katanga avait apporté une contribution significative à la commission de certains crimes commis par le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de Walendoubindi, dans la mesure où cette contribution a influé de manière importante sur leur survenance comme sur la manière dont ils ont été commis. La Chambre entend souligner l'importance qu'a revêtue en l'espèce la contribution apportée par Germain Katanga dans un contexte tel que celui de la collectivité d'Oualendoubindi au mois de février 2003. Elle rappelle que son intervention a en effet permis à la milice de bénéficier des moyens logistiques dont elle ne disposait pas et qui présentaient pourtant pour elle un intérêt capital pour attaquer Bogoro. La contribution qu'il a alors apportée a permis aux combattants de d'assurer leur supériorité militaire face à leur adversaire de l'UPC et de conduire à son terme le dessein d'éliminer la population civile principalement Emma de Bogoro. Sans l'alliance militaire stratégique conclue par Germain Katanga et sans l'apport d'armes et de munitions, les combattants de Giti n'auraient pas disposé des moyens nécessaires pour mener à bien l'attaque du 24 février ou n'auraient pas été en mesure de réaliser avec autant d'efficacité ou de succès leur dessein criminel. Qui consistait à effacer Bogoro et à éliminer la population civile, principalement Emma, qui y habitait. La Chambre a en outre considéré que Germain Katanga occupait bien, au mois de février 2003, la position la plus élevée au sein de la milice Ngiti de la collectivité de Walendoubindi, parfois appelée FRPI et qu'il était, au moins à la date du 9 février 2003, le président de cette organisation. Il portait le titre de commandant ou de chef d'Aveba, il était un militaire confirmé et reconnu, et il disposait d'une autorité certaine sur le plan militaire à l'échelle de la collectivité. En ce qui concerne les pouvoirs qu'il exerçait, Effectivement, la Chambre a conclu qu'il avait facilité la réception des armes et des munitions arrivant de Béni-Aveba, ainsi que leur stockage, et qu'il disposait alors non seulement du pouvoir d'en attribuer au commandant de la collectivité de Walendou-Bindi, mais encore de celui de décider de la quantité de munitions à allouer. Ces instructions étant en ce domaine respectées. La Chambre a également conclu que les combattants locaux de la collectivité de Walendoubindi avaient utilisé le 24 février 2003 à Bogoro les armes et munitions qui venaient de Béni et qui leur avaient été remises une fois réceptionnées à Aveba. Dans le contexte particulier de la présente affaire, L'influence que l'ensemble des agissements du condamné a eu sur la réalisation des crimes d'attaque contre les civils, de le meurtre, de pillage et de destruction de biens, a été considérée par la Chambre comme ayant été importante. C'est bien l'ensemble de ses activités et les diverses formes qu'a revêtues sa contribution qui ont en l'espèce significativement influé sur la commission de ces crimes. Germain Katanga à deux surcroît, a de surcroît apporté sa contribution en ayant pleinement connaissance du fait que les combattants de Giti de la collectivité de Walendoubindi étaient animés par une idéologie hostile au EMA qu'il partageait également à titre personnel et en sachant Eu égard à la manière dont s'était antérieurement comporté le groupe, que la milice Ngiti commettrait les crimes de meurtre, d'homicide, d'attaque contre des civils, ainsi que les crimes de destruction de biens et de pillage. Comme la Chambre l'a rappelé dans le jugement, Germain Katanga avait une parfaite connaissance de la manière de faire la guerre qui avait cours en Iturie à l'époque des faits et des souffrances qui en résultaient pour la population civile. Il connaissait les événements qui s'étaient déroulés à Nyakoundé au mois de septembre 2002, quelques mois seulement avant la prise de Bogorou, événements sur lesquels il a donné de nombreux détails et qu'il a lui-même qualifié de massacre. Il résulte de ce qui précède que le degré de participation et d'intention de Germain Katanga dans la présente affaire ne doit pas être sous-estimé, d'autant que les crimes qui ont été commis le 24 février 2003 l'ont été avec une particulière cruauté. Outre la gravité des crimes que la Chambre vient de s'attacher à décrire, il convient désormais de s'interroger sur l'existence ou non, en l'espèce, de circonstances aggravantes et ou atténuantes. Le procureur considère que dans cette affaire, il convient de retenir quatre des circonstances aggravantes qu'énumère la règle 145 du règlement. 1. La vulnérabilité particulière des victimes. 2. La cruauté particulière des crimes. 3. Le mobile ayant un aspect discriminatoire et quatre l'abus de pouvoir ou de fonctions officielles. Le représentant légal partage cet avis pour ce qui est des trois premières circonstances aggravantes que je viens d'énumérer. Dans la mesure où, à l'occasion de son examen de la gravité des faits, la Chambre a déjà pris en compte le fait que les crimes avaient été commis avec cruauté à l'encontre des habitants de Bogoro parmi lesquelles figuraient des personnes vulnérables, en particulier des enfants. Et dans la mesure où elle a retenu l'aspect discriminatoire de l'attaque, elle n'a analysé que la quatrième circonstance aggravante alléguée par le procureur, à savoir l'abus de pouvoir ou de fonctions officielles. La Chambre rappelle qu'au moins à compter du 9 février 2003, germain katanga était effectivement président de la milice ngiti de la collectivité de Walendou bindi au cours de la période précédant l'attaque de bogoro, il disposait en outre d'une certaine autorité sur le plan militaire à cette échelle, à l'échelle de la collectivité, et il jouait un rôle central dans l'approvisionnement et la distribution d'armes et de munitions aux différents commandants qui s'y trouvaient implantés. Combattant particulièrement confirmé et d'ailleurs reconnu, Germain Katanga était en effet un interlocuteur essentiel pour tout ce qui avait trait à la fourniture d'armes au sein de cette collectivité. Il avait le pouvoir de procéder à l'évaluation des besoins, de décider lui-même non seulement du principe d'une attribution, mais aussi de la quantité de munitions à allouer et de donner à cette fin, nous l'avons dit, des instructions qui étaient respectées. Pour la Chambre, la circonstance aggravante dont il est ici question exige de démontrer que l'accusé a non seulement exercé une certaine autorité, mais plus encore qu'il en a abusé. Or, en l'espèce, il n'apparaît pas que Germain Katanga ait effectivement abusé de sa position d'autorité, ou encore qu'il ait usé de son influence pour favoriser la commission des crimes. Dès lors, la Chambre n'estime pas devoir retenir comme circonstance aggravante le statut de l'accusé, pas plus que l'exercice par ce dernier de fonctions dites d'autorité. La Chambre entend désormais résumer ses conclusions relatives à l'existence d'éventuelles circonstances atténuantes. Le procureur et le représentant légal estiment l'un et l'autre que l'accusé ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante. La défense, au contraire, considère que le jeune âge de Germain Katanga, la nature du rôle qu'il a joué, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été placé, le fait qu'il soit capable de s'améliorer, la manière dont il a coopéré avec la Cour, ainsi que ce qui a trait à sa vie personnelle et familiale, constitue les principaux éléments que la Chambre devrait prendre en compte pour atténuer la peine qui lui sera infligée. En ce qui concerne tout d'abord les circonstances personnelles propres à Germain Katanga, la Chambre note qu'à l'époque des faits, il avait 24 ans. Elle relève également que plusieurs autres commandants locaux étaient à la fin de l'année 2002 d'un âge comparable à celui du condamné. Aussi convient-il, à ses yeux, de relativiser l'argument tiré du jeune âge du condamné. La Chambre, cependant, comme l'y invite la Défense, est sensible aux déclarations du condamné selon lesquelles il aurait changé depuis 2003, selon lesquels il serait devenu un adulte et il aurait commencé à comprendre de plus en plus de choses qu'il ne comprenait peut-être pas à l'époque des faits, en raison notamment de ce qu'était alors son niveau de maturité et des contraintes qui étaient les siennes au sein de sa communauté. Pour autant, sur ce dernier point, s'il est incontestable que Germain Katanga, comme d'ailleurs un grand nombre de personnes ayant appartenu à sa communauté, ont grandement souffert des actes de violence perpétrés contre la population civile de la collectivité à laquelle ils appartenaient, il est évident, comme l'atteste l'ensemble de sa déposition, qui démontre un esprit volontaire et entreprenant, il est évident que le condamné a choisi, entre 2002 et 2003, de prendre les initiatives qu'il jugeait utiles, en pleine connaissance de cause, au nom de sa communauté et dans un esprit réfléchi de conquête militaro-ethnique. Certes, cette attitude, à la fois protectrice et combative, lui a permis de gagner la confiance des membres de sa communauté et, en définitive, en contribuant à sa cause, de se faire respecter, autant de valeurs considérées comme essentielles dans la société à laquelle il appartient et qu'on ne peut lui reprocher aujourd'hui d'avoir tenté de satisfaire. Il demeure que la Chambre ne saurait considérer en dépit du contexte particulièrement sensible dans lequel le condamné évoluait alors, qu'il s'est, comme l'a laissé entendre la défense, retrouvé totalement piégé à la fin de l'année 2002 et au cours de l'année 2003. La Chambre entend également s'attarder sur la situation familiale de Germain Katanga. Ce dernier est père de six enfants. Il ne voit sa famille que deux fois par an et il lui témoigne, selon la défense, le plus vif intérêt, en particulier pour tout ce qui a trait au bien-être et à l'éducation des enfants. La Chambre prend note du jeune âge de certains d'entre eux et du fait qu'ils sont confrontés, pour des raisons indépendantes de leur volonté, à la difficulté de grandir loin de leur père. Et elle considère que le fait d'avoir une famille solide est de nature à favoriser la réinsertion de Germain Katanga. En ce qui concerne la réputation de Germain Katanga, ou ce que l'on pourrait appeler sa bonne moralité, la Chambre rappelle qu'elle a déjà considéré qu'il était au mois d'août 2002 un combattant particulièrement confirmé et reconnu, ce qui ressort en effet de la preuve figurant au dossier. Elle a aussi indiqué qu'il bénéficiait au moins à la fin de l'année 2002 d'une bonne réputation. Pour la Chambre, ces considérations essentiellement liées au courage dont il a fait preuve sur le plan militaire et pour le compte de sa communauté ne sauraient cependant être prises en compte à titre de circonstances atténuantes. Selon plusieurs témoins, il apparaît toutefois. Que Germain Katanga contribuait activement à la protection de la population civile de sa communauté et qu'il entretenait avec elle de bonnes relations, alors que d'autres commandants se montraient plus prompts à causer des incidents au sein même de la population, en allant même jusqu'à confisquer des biens, voire à faire régner la terreur. La Chambre considère que le jeune âge de Germain Katanga, le fait qu'il soit actuellement père de six enfants, et la relation à la fois bienveillante et protectrice qu'il entretenait avec la population civile de sa communauté constituent autant d'éléments pertinents pouvant être pris en compte pour atténuer sa peine. Il ne saurait cependant jouer sur ce plan un rôle déterminant compte tenu de la nature des crimes dont il a été déclaré coupable et qui ont été commis à l'encontre de la population civile Emma de Bogoro. Aussi la Chambre ne leur accordera-t-elle qu'un poids très relatif Outre les circonstances personnelles du condamné, il convient ensuite de considérer la conduite de Germain Katanga après les faits. La défense souligne que Germain Katanga a apporté son soutien au processus de paix qui était alors en cours en Iturie à compter du mois de mars 2003 et tout au long des années 2003 et 2004 jusqu'à son intégration dans l'armée congolaise et qu'il a encouragé le désarmement et la démobilisation des miliciens et des enfants soldats. Elle considère que le programme de démobilisation c'est toujours la Défense qui parle n'aurait pas pu être mis en œuvre sans sa participation. La Chambre considère que les efforts entrepris pour promouvoir la paix et la réconciliation peuvent et doivent être pris en compte dans la fixation de la peine et qu'ils sont potentiellement de nature à atténuer celle ci. Elle estime toutefois que de tels efforts doivent être à la fois réelles et sincères, sans pour autant qu'il y ait lieu d'exiger des résultats. Pour la Chambre, et après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis, il n'est pas possible d'établir que, selon le critère de l'hypothèse la plus probable qu'elle entend retenir, Germain Katanga a effectivement tenté par les efforts qu'il aurait déployés de promouvoir activement le processus de paix entendu globalement. Il demeure pour elle que plusieurs documents et témoignages attestent du rôle positif que ce dernier a joué dans le processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats. La chambre considère en effet comme établi en application du critère de l'hypothèse la plus probable, la participation active de Germain Katanga au processus de démobilisation et, au vu de ce que fut son comportement, la contribution positive qui fut alors la sienne. Elle estime, dès lors, que ses efforts doivent être pris en compte dans la fixation de la peine qui lui sera infligée s'agissant par ailleurs de l'expression de remords et de sympathie envers les victimes la chambre relève que l'expression d'un remords peut être prise en compte au titre des circonstances atténuantes elle souligne toutefois que seule la formulation de remords sincère peut constituer une telle circonstance de plus si exprimer sa sympathie ou une sincère compassion envers les victimes peut également être prise en compte dans la démarche de fixation de la peine, cela n'équivaut en aucun cas à l'expression de remords et doit aux yeux de la Chambre se voir attribuer un poids bien inférieur. Or, la Chambre ne peut que relever qu'au cours du procès, Germain Katanga n'a pas fait de déclaration qui traduise l'expression d'un remords profond et sincère. Tout au plus, relève-t-elle qu'il a tenu quelques propos témoignant de sa compassion envers les victimes et de sa volonté de voir la justice être rendue. La Chambre note par ailleurs que lors de sa dernière déclaration, en clôture de l'audience relative à la fixation de la peine, Germain Katanga a exprimé sur un plan général sa compassion envers les victimes de, je cite, cette guerre, fin de citation. Celles qui sévissaient alors en Iturie, avant de faire part de ce qu'il ressentait à l'égard, plus spécifiquement, des victimes de sa propre communauté. Pour la Chambre, ses propos demeurent très conventionnels. Germain Katanga a en réalité éprouvé de grandes difficultés pour reconnaître les crimes commis. Enfin, dans les observations qu'il a transmises à la Chambre, le 4 avril 2014, le greffe a indiqué qu'il ne disposait pas d'informations fiables sur d'éventuelles démarches que Germain Katanga aurait entreprises pour indemniser les victimes. Spécialement interrogé sur ce point, l'actuel chef du village a indiqué qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque démarche de l'accusé à l'égard des victimes. Au vu de ces éléments, la Chambre ne retiendra donc pas les propos que Germain Katanga a tenus à l'égard des victimes comme constituant l'expression d'une compassion ou de remords sincères permettant l'octroi de circonstances atténuantes. En ce qui concerne la coopération de Germain Katanga avec la Cour et la conduite de Germain Katanga au centre de détention, la Chambre constate que, contrairement aux règlements de procédure et de preuve des tribunaux pénaux internationaux, qui prévoit explicitement que la coopération doit être substantielle, la règle 145 ne l'exige pas. La Chambre note par ailleurs que, d'une part, la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux s'est progressivement assouplie, et que, d'autre part, les Chambres disposent d'une grande marge dans l'évaluation d'ordre factuel de ce qui constitue une coopération substantielle ou non. À ses yeux, pour être retenue à titre de circonstance atténuante, point n'est besoin que la coopération soit substantielle. Elle doit cependant dépasser la simple bonne conduite, qui, si elle est appréciable, ne saurait à elle seule constituer pour la Chambre une circonstance de nature à atténuer la peine prononcée. En l'espèce, la Chambre relève que Germain Katanga a en effet longuement témoigné qu'il a répondu sans difficulté aux questions posées par les partis, par les participants et par les juges, et qu'il a spontanément apporté diverses informations et donné des précisions. Aussi, et dans une certaine mesure, entend-elle tenir compte de cette attitude positive dans sa démarche actuelle de fixation de la peine En revanche, elle ne saurait prendre en considération le fait que Germain Katanga a assisté aux audiences et s'est bien comporté durant celles-ci, comme avec le personnel et les gardiens, cette attitude relevant de ce que toute Chambre est en droit d'attendre d'un accusé. En ce qui concerne à présent le comportement de Germain Katanga en détention, la Chambre prend note du mémorandum interne que le greffe lui a transmis sur ce point. Elle constate à la lecture de ce document que le comportement de l'intéressé sur une période de six ans peut être considéré comme étant globalement positif. Elle relève que, si la défense y a répondu dans ses observations du 7 avril 2014, elle ne soutient pas pour autant que ce comportement doive être retenu à titre de circonstance atténuante. En conséquence, la Chambre n'entend pas se prononcer sur ce point. Enfin, en ce qui concerne la violation des droits de la défense, argument que la défense de Germain Katanga a soulevé en évoquant le temps que ce dernier avait passé à la prison centrale de Kinshasa entre le 10 mars 2005 et le 18 octobre 2007. La Chambre considère que si une violation des droits fondamentaux du condamné avait pu être constatée, il aurait effectivement été approprié d'en tenir compte pour atténuer sa peine. En revanche, elle considère que rien dans le statut n'autorise la Cour à juger de la légalité des procédures de détention congolaises. Ni à apprécier si elles ont été entachées de violations. Dès lors, elle estime ne pas avoir à se prononcer sur les violations de droit que Germain Katanga aurait subies en RDC, alors qu'il n'était pas détenu pour le compte de la Cour. En ce qui concerne, par contre, la période pour laquelle Germain Katanga a été détenu pour le compte de la Cour, la Chambre a considéré que si des violations étaient constatées, elles ne pourraient être imputées à cette dernière que si elles concernaient une procédure suivie devant elle. Il ne saurait en effet être question pour la Chambre de traiter d'éventuelles violations des droits de Germain Katanga qui n'auraient aucun lien avec la procédure suivie devant la Cour, quand bien même elles auraient été commises à un moment où il était détenu pour son compte. En l'espèce, la Chambre a estimé que la Défense n'avait pas démontré que la procédure suivie entre le 17 septembre et le 18 octobre 2007, lors de la notification du mandat d'arrêt délivré contre Germain Katanga, était entachée d'irrégularité. Au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être résumés, la Chambre condamne Germain Katanga à 12 années d'emprisonnement pour complicité au sens de l'article 25.3d du statut du crime de meurtre en tant que crime contre l'humanité. 12 années d'emprisonnement pour complicité au sens de l'article 25.3d du statut du crime de meurtre en tant que crime de guerre. 12 années d'emprisonnement pour complicité au sens de l'article 25.3d du statut du crime d'attaque contre la population civile en tant que crime de guerre. Dix années d'emprisonnement pour complicité au sens de l'article 25.3d du statut, du crime de destruction des biens en tant que crime de guerre. Dix années d'emprisonnement pour complicité au sens de l'article 25.3d du statut, du crime de pillage en tant que crime de guerre. En application de l'article 78.3 du statut, la Chambre fixe une peine unique de 12 années d'emprisonnement. En ce qui concerne à présent la période de temps passée en détention en RDC, est susceptible d'être déduite de manière discrétionnaire de la peine prononcée. La majorité de la Chambre contrairement à ce que soutenait la Défense, a estimé, et la Chambre s'en est longuement expliquée dans la décision qui sera disponible dans un instant, qu'elle ne disposait pas, sur ce point, d'un faisceau d'informations suffisamment précises et cohérentes qui lui permettent de prendre en compte et de déduire cette durée de détention. En revanche, en application de l'article 78.2, la Chambre ordonne que soit déduit de la peine de Germain Katanga le temps passé en détention pour le compte de la Cour du 18 septembre 2007 jusqu'à ce jour, 23 mai 2014. Enfin, en l'absence d'éléments permettant de déterminer la solvabilité de Germain Katanga, la Chambre n'a pas prononcé de peine d'amende par ces motifs. La chambre prononce contre Germain Katanga une peine d'emprisonnement d'une durée de 12 ans pour complicité de toute autre manière à la commission des crimes de meurtre en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité du crime d'attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités en tant que crime de guerre et des crimes de destruction des biens de l'ennemi et de pillage de biens en tant que crimes de guerre. Madame la juge Christine van den Wingert joint une opinion dissidente à la présente décision. La Chambre, dans la composition qui était la sienne depuis l'ouverture des débats sur le fond au mois de novembre 2009, vient donc de mettre fin à ses travaux en application de la décision numéro 3468 de la présidence de cette cour en date du 16 avril 2014 c'est donc une chambre différemment composée qui pour reprendre les termes mêmes de l'article 75 du statut prendra en charge la procédure de réparation en faveur des victimes avant de nous séparer je voudrais au nom de la chambre remercier les parties et les participants de la contribution qu'ils et elles lui ont apportée et de la qualité qu'ils ont su donner à nos débats. La Chambre tient aussi à remercier une nouvelle fois celles et ceux qui ont également contribué à la bonne tenue de ces audiences. L'audience est levée. All rise,